Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission. Et nous bénissons le Seigneur déjà pour votre fidélité. Et ce soir, je voulais me présenter, je m'appelle Wilfried Mbaka, je suis votre frère et je veux échanger avec vous, partager avec vous sur la parole, sur une parole que Dieu a mise dans mon cœur ce soir. Et je crois que, de même que ça m'a fait personnellement du bien, je crois que ça vous fera aussi du bien. Mais pour commencer, nous voulons présenter ces moments au Seigneur par la prière. Nous allons prier ensemble. Père, nous te bénissons ce soir pour ces moments. Merci pour ton esprit. Merci pour ta force. Merci pour, ô Dieu, ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, pour cet enseignement qui sera partagé, Seigneur. Nous voulons que tu te saisisses de nous pour enseigner ton peuple, Seigneur, sur ta personne. Seigneur, nous voulons non pas nous appuyer sur nos habitudes, sur notre connaissance, mais nous voulons recevoir de toi, ô Dieu, cette fraîche rosée qui sort du ciel, Seigneur, et qui vient abreuver nos vies desséchées par les problèmes de la vie, les situations, ô Dieu, de tous les jours. Nous croyons que tu es le Dieu de grâce, de restauration, de fidélité. À toi soit la majesté, Adonai, notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, je disais tantôt que je veux partager avec vous une pensée que Dieu m'a mise à cœur. Et je crois que vous aimez la parole du Seigneur. Et vu que nous aimions la parole du Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Nous prendrons du verset 1 au verset 3. Apocalypse 4, verset 1 au verset 3. Je vais faire la lecture. Après ces choses, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui parlait avec moi, me dit, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Immédiatement, j'aparus en esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui y était assis était semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Amen. Donc, ce qui fera l'objet de mon partage ce soir, c'est ce mot, cet ordre que Yeshua donne à Jean. Il dit, monte ici. Monte ici, frères et sœurs, nous sommes un peuple qui marchons, souvent tête baissée, tête baissée effectivement par les soucis, les problèmes, les situations que nous vivons au quotidien. Et nous n'avons pas souvent ce courage de lever nos yeux ou de lever nos têtes vers le ciel. Mais Dieu ici, il va parler clairement à l'apôtre Jean en lui disant, monte ici. Waouh, quel appel, quel ordre, quelle autorité. Il dit à Jean, monte ici pourquoi? Parce que moi, Jésus, je dois te montrer les choses qui doivent arriver à l'avenir. Jean devait faire une action, celle de bouger. Jean devait se lever, vous voyez, c'est comme un réveil. Une prise de conscience. Il dit, déplace-toi, viens ici, monte ici, où? Au trône de Dieu, à la présence du Seigneur. Viens dans ma présence, viens là où je vis. La Bible dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Jean devait aller au ciel, il devait aller à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Parce que Dieu avait un message à donner à Jean. Il dit, monte ici. Frères et sœurs, Jean était parmi les apôtres les plus jeunes que Jésus va appeler pour qu'il soit avec lui. Jean était un homme de métier, il travaillait, mais Jésus, de passage, l'a vu, l'a aperçu, il a dit, viens. Il a fait cet appel à Jean. Jean a quitté son métier pour suivre le Seigneur. Et chemin faisant, Jésus va enseigner Jean comme les 12, comme les 72, 70,
sur beaucoup de choses, sur les mystères du royaume. Ils seront équipés, ils seront instruits. Jésus va les préparer à son avènement. Jésus va préparer cette équipe à la mort prochaine qu'il devait vivre à Golgotha. Et les disciples étaient préparés pour vivre la mort, pour vivre la mort et la résurrection du Machia. Voici Jésus mort, Jésus ressuscité, et Jésus va se révéler à eux comme étant le Dieu véritable. Et il va enseigner tellement de choses à Jean. Jean va connaître ce Dieu. Et effectivement, dans l'évangile de Jean, il va présenter le Seigneur comme le Messie, comme le roi qui revient. Voici ici, Jean, il est vraiment à la fin de sa vie, dans une île appelée Patmos, où il était enfermé à cause de l'évangile. Il était souffrant à cause de l'évangile du royaume, l'évangile de Jésus-Christ, à cause du témoignage du Jésus qu'il avait connu. Jean le voit, le voici enfermé. Et Jean sera comme ravi en esprit, et le Seigneur va se révéler à lui autrement. Il va enseigner Jean sur les sept églises, sur l'église d'Éphèse, sur l'église de Smyrne, sur l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée, l'église de Sardes. Il va enseigner Jean sur l'église, c'est-à-dire sept comme la perfection, comme la totalité, la vision globale de l'église en tant que corps de Christ. Jean aura ses enseignements du Seigneur sur l'église. Il a vu Apocalypse 1, il a connu Apocalypse 2, il a connu Apocalypse chapitre 3. Et l'église était une église de problèmes, de difficultés. Certains, il y avait une assemblée où même Satan avait son siège. Il y avait des églises comme Sardes où la mort spirituelle régnait. Il y avait des églises comme l'église d'Éphèse où ces personnes avaient abandonné le premier amour. Jean va adresser ses courriers inspirés par le Seigneur à ces églises, aux anges de ces églises, sinon aux messagers, à ces hommes qui avaient cette charge dans ces assemblées. Dieu va révéler le péché qui régnait dans ces assemblées, sur presque toutes ces assemblées. Alors, sorti de ça, quand nous lisons Apocalypse chapitre 3 au verset 20, voici ce qui commence au verset 20, Apocalypse 3, verset 20. Jésus va dire ceci à Jean, Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ainsi que j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Mais Jésus commence au verset 20 en disant que je me tiens à la porte et je frappe. Jésus, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 1, il était au milieu des sept chandeliers. Jésus était au milieu de l'église, il était au centre. Mais à la conclusion de l'histoire de ces sept églises, Jésus se trouve à la porte et il frappe. Qu'est-ce qui s'est passé? Les fausses doctrines, le péché a complètement chassé le Seigneur et le Seigneur s'est trouvé hors de ses assemblées. Et il dit à Jean, je me tiens à la porte, je frappe. Jésus n'est plus au milieu de l'église, Jésus se trouve à l'extérieur des assemblées. Pourquoi? Parce que quand nous lisons Éphèse, Thyatire, Pergame, Philadelphie, Laodicée, ces assemblées ont manifesté le péché. Et Jésus se trouvait complètement mis à l'écart. Par qui? Par le règne du péché dans ces assemblées. Alors ici, Jésus va dire, le vainqueur, je le ferai asseoir sur mon trône. Et maintenant, quand nous lisons la suite, donc le chapitre 4, il va dire à Jean, monte ici. Il va adresser cet appel à Jean en lui disant, monte ici. Pourquoi?
J'ai promis que le vainqueur, je le ferai asseoir sur mon trône. Je le ferai asseoir à côté de moi. Le vainqueur, celui qui a triomphé, celui qui a compté sur ma grâce pour mener sa vie chrétienne, celui qui a compté sur ma grâce pour résoudre ses problèmes au quotidien, il sera appelé vainqueur par le Seigneur. Et Jésus promet que cette personne viendra s'asseoir à ses côtés. Et ici, il y a Jean, viens, monte ici, quitte un peu ta situation mondaine, quitte un peu ton entourage, quitte un peu ton confort, monte ici, viens à mes côtés dans mon trône. Pourquoi je dois te montrer la situation de la fin des temps, l'avenir de l'humanité, la situation de l'homme à la fin? Monte ici. Frères et sœurs, nous avons besoin de cela au quotidien. Nous avons besoin de cet appel. Monte ici. Jean devait grimper. Comment? Le Seigneur devait le ravir en esprit. Le Seigneur devait le retirer de là où il était pour l'amener vivre autre chose. Pour aller visiter le trône de Dieu, la présence du Seigneur. Et Jean devait quitter là où il était. Et pourtant, nous savons qu'il était enfermé, il avait dans une situation difficile. Mais Jésus lui dit, monte ici, frère et sœur. Ça veut dire que même si tu es emprisonné physiquement, cela ne t'empêche pas de vivre la liberté dans le Seigneur. Même si tu es persécuté, tu es traumatisé par ce que tu vois, cela n'empêche pas que tu sois libre dans la présence de Dieu. Et c'était ça la situation de Jean. Jésus lui dit, monte ici. Monte pourquoi ? Monte, viens voir. Viens sur mon trône, mon frère. Viens dans la présence de Dieu. Viens, quitte ton assemblée, viens. Et cet appel, c'est un appel qui résonne jusqu'aujourd'hui. Monte ici. Frères et sœurs, monter, c'est se réveiller. Monter, c'est une prise de conscience. Vous voyez, lorsque vous dormiez, quand vous réveillez, c'est la première action que nous faisons, nous allons lever la tête. Nous allons nous redresser pour s'asseoir, se lever et marcher. Et Jean devait se redresser. Il devait se monter. Parce que Jésus avait un message à communiquer à Jean. Jean était sûrement déçu de la révélation de cette église d'Apocalypse. Jean était sûrement dépassé par la situation de cette église. Et là, le Seigneur dit, viens, mon fils, monte, viens. Je vais te montrer la situation des églises. Je vais te montrer ce que le jugement des nations. Je vais te montrer le jugement de Satan, de ses démons. Je vais te montrer le jugement de l'homme impie, du faux prophète. Je vais te montrer le jugement des faux serviteurs de Jésus. Je vais te montrer le jugement des nations. Monte ici. Pour que tu aies connaissance de ces choses, Jean, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois monter ici. Viens vers moi. Waouh, quel appel! Quel appel! Jean devait recevoir des recommandations depuis le trône de Dieu. Frères et sœurs, nous avons vu cela dans un livre, dans le livre de Matthieu. On va aller à Matthieu chapitre 17, il me semble. On va lire Matthieu 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, verset, à partir du verset 1er. Matthieu 17, verset 1. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean. Waouh, Jean était là. Donc Jean était associé à cette équipe que Jésus avait pris. On dit 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduit à l'écart sur une haute montagne. Et ils furent transfigurés en leur présence. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Et voici Moïse et Élie étaient apparus, leur apparus, s'entretenant avec lui. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu veux,
trois tabernacles. Un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. Et comme il parlait encore, voici, une nuée resplendissante les couvrit et son ombre de son ombre. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris mon bon plaisir. Écoutez-le. Et lorsque les disciples entendirent cette voix, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande crainte, d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les touchant et leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Alléluia. Jean était là. Jean a vécu la transfiguration, la glorification du Seigneur. Il a vu Jésus dans toute sa gloire. Et il était complètement, ils étaient dépassés. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus va se présenter dans toute sa gloire. Jésus qui marchait avec eux pendant un moment. Ils ont vu Jésus dans toute sa gloire et les disciples ont dit non, on va rester ici, on va faire trois tentes. Jésus, pour se révéler, il a mené ses trois disciples au sommet d'une montagne. Donc il y avait le mouvement, l'action de monter ici. Il les a attirés à la montagne pour se révéler à eux. Et Jean va vivre la même chose dans Apocalypse chapitre 4 où Jésus dit monte ici. Jean l'a vécu dans Matthieu 17 que nous venons de lire et il va le revivre dans Apocalypse 4. Monte ici. Et ici, il s'entretenait avec Moïse et Élie. Et Jean a vécu cela. Oh mon frère, telle est la vie du chrétien. Le chrétien doit monter pour aller écouter ce que Dieu veut. Le chrétien doit faire ce mouvement. Doit se réveiller, doit se redresser, doit se relever pour aller écouter le conseil de Dieu. Parce que nous avons les conseils des hommes, nous avons les paroles des hommes, nous avons les prédications des hommes, nous avons les messages des hommes. Mais nous avons besoin de faire cette action, ce mouvement, nous réveiller, nous déplacer pour aller vers le Seigneur. Et là, Dieu va nous communiquer son message à ces temps de la fin. Il va parler à notre cœur. Il va se révéler en nous tel notre Père, notre Créateur, pour nous donner des instructions de notre marche. Frères et sœurs, nous ne sommes pas forcément appelés à être là, nous limiter à ce que nous voyons, ce que nous vivons au quotidien, à subir les situations au quotidien. Non, le chrétien doit avoir la pensée de Dieu. Comment vas-tu? Auras-tu cette pensée du Seigneur? Si tes yeux sont fixés sur les choses de ce monde, sur les situations de ta nation, de ton pays, de ta famille, au lieu de redresser les yeux, de redresser la tête et de regarder, t'orienter vers le Seigneur. Regardez, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14 là-bas. 1 Corinthiens 2. Pas du verset 14, je voulais ressortir quelque chose. Pourquoi faire ce mouvement monter ici? Parce qu'effectivement, nous avons besoin de... Alors, je bénis le Seigneur. On va prendre le verset 14, effectivement, 1 Corinthiens 2, verset 14. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître non plus, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel discerne de toutes choses et il n'est jugé par personne. Car qui a connu, ça c'est le verset 16 qui nous intéresse, car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Comment avoir la pensée du Christ si nous ne montons pas à sa présence? Comment avoir la pensée du Christ si nous ne sommes pas à ses pieds pour l'écouter? Frères et sœurs, la Bible dit que nous avons la pensée de Dieu. Un chrétien qui est né de l'Esprit de Dieu, un chrétien qui a connu la naissance d'en haut, a la pensée du Christ. Pourquoi? Parce qu'il a fait cette action, ce mouvement. Il est monté, et en montant, il a reçu
l'enseignement du Machia. Il a reçu la parole de Dieu, pas la parole des hommes, pas la parole de nos assemblées, pas la parole de ton bishop, de ton révérend. Il est monté et en montant, il est allé au trône. Et au trône, il a reçu les conseils de Dieu. Paul va dire aux Éphésiens, dans Actes chapitre 20, que je vous ai présenté tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Tout le conseil. Pourquoi? Pourquoi Paul pouvait présenter le conseil de Dieu? Parce qu'il a été au conseil, à l'écoute de Dieu. Il a été là pour écouter le Seigneur. Et le Seigneur l'a instruit sur ce qu'il doit enseigner, comment il doit tenir pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas abandonner la foi. Paul a été instruit parce qu'il est monté. Et nous allons voir tout à l'heure, Paul l'a dit. On va regarder dans 2 Corinthiens chapitre 12. Alors, je crois que vous aimez la parole de Dieu. 2 Corinthiens, autant pour moi, à partir du verset 16. 2 Corinthiens 11, désolé, 2 Corinthiens 11. On va prendre à partir du verset 16. Je le dis encore afin que personne ne me regarde comme un insensé. Ou bien supportez-moi comme un insensé, afin que je me glorifie aussi un peu. Ce que je vais dire en rapportant les sujets que j'aurai à me glorifier. Je le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisque plusieurs se glorifient selon la chair. Non, je crois pas que c'est ce passage. Je vais le chercher rapidement. Bon, en tout cas, on reviendra sur ce passage. Je voulais clairement le donner, mais apparemment, le passage m'échappe. Donc, dans ce passage, effectivement, Paul nous dit qu'il se souvient d'un homme qui a été ravi il y a quelques années, qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Paul, effectivement, va nous dire qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Et effectivement, étant monté au ciel, étant ravi, Paul a reçu l'instruction du Seigneur. Et il s'est glorifié de ce qu'il a vécu. Pourquoi je remonte cela? Parce que, effectivement, Paul avait besoin d'une révélation particulière du Machia pour ne pas prêcher un évangile théologique ou un évangile culturel ou traditionnaliste. Non, il devait prêcher l'évangile tel que reçu par le Seigneur. Et l'appel de Jean, c'était la même chose. Quand Jésus lui dit « monte ici », parce que Jésus voulait parler au cœur de Jean. Il voulait inscrire sa parole dans son cœur. Il voulait inculquer les fondements de sa parole à Jean pour que Jean ne soit pas ballotté à tout vent de doctrine, pour que Jean, étant au sommet de sa vie, ne soit pas entraîné ailleurs, à gauche à droite, par des faux enseignements, que Jean devait rester sur la parole. Frères et sœurs, monte ici. Tous les chrétiens, nous avons besoin de cela. Ah, je bénis le Seigneur. Je crois que... Ah, merci pour les frères qui sont de l'autre côté de la régie pour ce passage. Donc, je disais 2 Corinthiens chapitre 12. Vraiment merci, que Dieu soit béni. On va lire à partir du verset 1. Il faut vraiment se glorifier. Cela n'est pas utile, car j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Waouh, quelle parole! Je connais un homme en Christ, il y a 14 ans passés. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait.
qui a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Waouh! Je sais que cet homme, si ce fut dans le corps ou si ce fut hors du corps, je le sais, Dieu le sait. Oh mon frère, il a été enlevé dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à l'être humain de révéler. Waouh! Paul dit, je me glorifie de cet homme. Il dit qu'il se souvient de cet homme il y a 14 ans. En fait, Paul parle de son propre témoignage, l'expérience. Il y a 14 ans, il a été ravi, mon frère. Il a été ravi. Il est monté pour aller écouter la parole. Et Jésus lui a dit, monte ici. Comme il a dit à Jean dans Apocalypse chapitre 4, monte ici, je te montrerai. Et Paul a reçu la révélation, l'enseignement, l'instruction du Seigneur sur son trône. Et lorsqu'il est descendu, il avait les rouleaux. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui n'ont plus le rouleau. Ils ont des coutumes, ils ont des traditions, ils ont tout, mais sauf la pensée de Dieu. Un chrétien doit avoir la pensée de Dieu. Pourquoi ? Parce que la pensée du Seigneur doit orienter ta vie, ta famille, ton ministère, ta marche. Et Jean, Paul, tous les apôtres, même notre père Jacob, vous vous souvenez de l'échelle. L'échelle où les anges montaient et descendaient. Effectivement, ces anges avaient un message à donner à Jacob. Et notre génération, nous avons besoin de vivre cette échelle pour monter et descendre. Monter pour aller apprendre et descendre pour partager la pensée de Dieu. Pourquoi les gens vont voir les charlatans, les gangas, les marabouts, les médiums, les voyants? Parce que l'humanité a besoin de la pensée de Dieu. Mais qui peut la voir? Ce sont des hommes et femmes qui montent au ciel, qui vont recevoir la pensée et qui viennent la communiquer. Pourquoi nos assemblées sont malades? Parce qu'il n'y a pas la pensée de Dieu. Comment la voir? Il faut monter. Il faut se réveiller, il faut se redresser. Il faut aller faire un mouvement vers le Seigneur et aller recevoir la pensée de Dieu. Alors Jean, au-delà des chaos des églises d'Apocalypse, de cette église, Jean avait besoin de monter. Pourquoi monter? Il devait aller au trône. Pourquoi au trône? Il devait recevoir l'enseignement sur l'amour de Dieu. Jean avait besoin d'être consolé par l'amour de Dieu. Jean avait besoin d'être consolé par la présence de Dieu. Jean avait besoin d'être rassuré par la présence de Dieu. Il avait besoin d'écouter Jésus lui parler. Frères et sœurs, d'où ce mouvement, cet appel? Nos églises ont besoin de ça. Monte ici. Église de Port-Gentil, monte ici. Église du Gabon, monte ici. Église des Amériques, monte ici. L'église de France, l'église d'Afrique, l'église de ceci, monte ici. Pourquoi? Parce que tu es mon corps et je suis la tête. Viens recevoir l'enseignement de la tête. Viens recevoir la pensée de Dieu pour instruire tes frères, pour les préparer à mon retour. Voici, frères et sœurs, le partage qu'on peut donner ce soir. Monte ici. Ne t'assois pas sur ton trône. Comme tu es devenu tellement sur ton trône avec ton nom, écrit pasteur révérend derrière, et tu es assis sur ton trône. Non, tu dois monter. Va chercher la pensée de Dieu. Tu dois aller au ciel, aller au pied du Mashiach pour aller chercher sa pensée. Regardez, on va s'arrêter par là. C'était juste vraiment un partage de quelques minutes. On va prendre Luc chapitre, le livre de Luc, un instant. Luc chapitre 10, on va prendre à partir du verset 38. Luc 10, 38. Luc chapitre 10, verset 38. C'est l'histoire des deux sœurs et on va le lire ensemble. Luc chapitre 10, verset 38. Et il arriva comme il s'en allait, qu'il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui se tenait assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Waouh! Mais Marthe était distraite par beaucoup de soucis de service. Étant survenue, elle dit, « Seigneur,
Ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir seule, toute seule? Dis-lui donc de m'aider de son côté. Le Seigneur lui répondit et dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Marie a choisi la bonne part. Pourquoi elle est venue s'asseoir au pied du Seigneur? Pour écouter sa parole. Tous les enfants de Dieu, nous avons besoin de ça. Nous asseoir au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Nous n'avons pas besoin de nous agiter par le ministère. Oh, comment chanter aujourd'hui? Oh, la chorale va commencer à quelle heure? Oh, la réunion va commencer à quelle heure? Oh, ceci va commencer à quelle heure? Non, on a besoin de nous asseoir au pied du Seigneur. On a besoin de recevoir l'enseignement du Seigneur parce que c'est utile pour notre marche. Et ici, c'est ce que Marie a fait. Elle est venue s'asseoir. Elle a laissé Marthe sous ses occupations, Marthe sous ses inquiétudes, Marthe remplie de soucis, d'agitation. Marie est venue s'asseoir au pied du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de la pensée de Dieu. C'est bien servir, c'est bien de se préoccuper de ceci, cela, c'est bien. Mais avoir la pensée de Dieu, c'est mieux. Avoir l'enseignement de Dieu, c'est mieux. Vous voyez, Jacob, que Dieu dit, lève-toi, va chez ton père, repars chez ton père. Mais Jacob avait fui des années durant, parce qu'il savait que l'acte qu'il avait commis, son frère Ésaü pouvait le tuer. Et pour ça, il avait besoin d'être rassuré. Et Dieu, au travers de cette échelle, instruisait à Jacob sur sa pensée. Et Jacob était fortifié, encouragé, et il pouvait continuer sa marche. Il n'avait plus peur d'aller mourir, parce qu'il savait que Dieu est avec lui. Dieu a rassuré Jacob. Je crois que notre génération, nous avons besoin de soi. Au-delà des tumultes, au-delà des occupations, de tout ce que nous voyons autour de nous, on a besoin de monter au pied du Seigneur, sous son trône, pour recevoir sa pensée. Et ça nous rassurera sur beaucoup de choses, frères et sœurs. Monte ici. Tel est le partage de ce soir. Monte ici. Monte ici pourquoi? Parce que je dois me révéler à toi comme étant ton père. Toi qui es orpheline, toi qui es orphelin, toi qui as abandonné ton mari, toi qui es dans les préoccupations, dans les soucis de tous les jours. Viens mon frère, allons-y. Allons-y au trône. Allons-y comme Moïse sur ce mont pour aller écouter la pensée de Dieu. Allons-y comme Moïse, qu'on pouvait dire que lui-là, il est mort, mais il était dans la présence de Dieu, sur Sinaï. Allons-y, monte ici. Monte. Monte, mon frère. Lève-toi, monte. Monte, ma soeur. Monte, mon frère. Monte, mon père, ma mère. Monte, mon oncle. Monte, mon frère. Allons-y, allons à la présence du Seigneur. Allons-y écouter sa pensée. Montons, montons ici, frères et sœurs. Parce que Dieu veut nous communiquer quelque chose. Ouvrons nos oreilles, soyons sensibles à la pensée de Dieu, soyons sensibles à la voix de Dieu, montons. Ne nous installons pas ici en nous battant par rapport au ministère, par rapport à l'œuvre. Non, montons mon frère, allons-y. C'est l'appel que Dieu nous adresse ce soir, l'appel que Dieu t'adresse ce soir, monte ici frère. Vraiment que Dieu soit béni, nous voulons bénir le Seigneur pour ce partage et merci pour votre fidélité. Nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur. Toute la gloire au Seigneur, nous voulons condamner personne, mais nous voulons vraiment nous instruire et nous dire, frères et sœurs, faisons quelque chose. Allons-y chercher la pensée de Dieu. Allons-y, montons, allons-y vers le Seigneur. Que toute la gloire vraiment revienne au Seigneur et que son nom soit béni ce soir. Bonsoir à tous et Amen.